Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince, il y a pile monde qui constatait que il y a plusieurs pompes à essence qui ferment porte, il y a quelques graines là-dedans qui bail service. Dans ce sens-là, ministre du Commerce et Industrie, M. Jonas Kofi, bail propriétaire station gaz, il y a un ultimatum 24 heures de temps pour l'ouvrir pompe qui était fermé matin lundi 12 octobre 2020. Ministre Jonas Kofi. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et Industrie, a fait tout le monde connaît. Il n'est pas responsable ni de près ni de loin dans la situation. Ça. On a fait tout le monde connaît que c'est une affaire qui concernait la compagnie gaz avec le propriétaire Pompio. Donc, on a dit encore, l'État n'a pas gagné aucune responsabilité dans ce qui a passé là qui cause la population à souffrir. Pour trouver une solution rapide à ce problème, ça, l'État a proposé la compagnie Gazio avec le propriétaire Pompio pour Chita ensemble. En attendant, on a demandé au propriétaire Pompio pour ouvrir toute pompe à la Wounbade. Toute pompe doit ouvrir tout de suite pour la population capable de joindre service normalement. Comme ça, le gouvernement, par voie ministère, commerce et industrie, déjà prend toute disposition pour faire appliquer la loi. Dans ce sens, toute propriété pompe qui n'a pas ouvert pompe, ministère commerce, a retiré l'autorisation du débat pour fonctionner. Toujours dans la rencontre avec la presse, ministre commerce et industrie, M. Jonas Kofi dit, gouvernement a travaillé pour le capable de satisfaire les revendications de la population, surtout avec ça qui gagne à revoir avec les produits de première nécessité. Ministre Jonas Kofi. M'a dit nous ça, nous est devant. Ce n'est pas moun qui a fait sitting pour brick pas descendre. Vous avez deux personnages qui là, nous est chaque jour là. Je devine chita avec là dans le ministère. Il y a une caméra qui a fait nous une image dans la caméra. Je devine demander 2 millions de gouttes pour ne pas venir faire manifestation là. Jonas Kofi a touché 80 000 gouttes. Elle gonfrait. Qui côté m'a besoin 2 millions de gouttes pour me bailler nek pour ne pas faire manifestation? Et yo mettre faire manifestation chaque jour là, moi-même, je ne suis pas capable de joindre 2 millions de gouttes pour me bailler nek. Ça veut dire. Oh, bien sûr. Le ministère du Commerce, nous tous là, nous connaissons. Nous connaissons qui travaille, le ministère du Commerce a fait. Qui bataille il était fait pour demander aux commerçants d'afficher prix yo en goutte? Et qui bataille le gouvernement fait pour que le dollar là déprécie et goutte là apprécie? Il vient tomber côté lié là. Je ne j'en dis pas. Nous conscients gagner des récalcitrants qui refusaient appliquer taux de référence BRH là, qui veut dire Jean dollar là, les déprécié, les était supposé proportionnel avec prix, ce que nous constatons que en pile monde pas respecté, et capable dit nous dans les heures qui suivent, ministère du commerce là. L'ap nan la ria et n'ap la tout. Jean nous habitué ensemble avec le ministère Gomes. Eh bien, pour marcher, visiter tout le monde qui a fait spéculation illicite
marché droit. Ministre Jonas Kofi te fait déclaration sa yo nan yon rencontre ak la presse. Yo l'autre côté nan actualité politique la et porte-parole secteur démocratique ak populaire met André Michel annoncé mobilisation générale samedi cap 17 octobre la pour mander démission président Jovenel Moïse nan tête pays. 17 octobre 2020 coïncidé ak 214e anniversaire commémoration la mort Jean-Jacques Dessalines empereur. Mobilisation a pas campé. Bataille peuple là, pas campé. Trahison, pas trahison. Bataille peuple là, pas campé dans route. Et c'est ça qui fait semaine, ça, son semaine. Mobilisation. Et 17 octobre, nous invitons toute population à venir participer dans la manifestation qui a fait dans Port-au-Prince et dans le reste du pays d'Haïti. Parce que bataille peuple là, pas gain droit campé. Et nous demandons tout le monde qui est en opposition. Tout le monde qui dit qu'on est en opposition, 17 octobre, nous convoquons toutes nos mobilisations, nos manifestations dans tout le pays. Parce que dans la bataille du peuple, là, pas de droit de Kouba, pas de droit de cacher l'ombrique, le wap bien. Et nous-mêmes qui là, personnellement, nous sommes le premier monde qui a sous béton 17 octobre 2020. Papa Dessalines, vous avez un projet pour le pays. Vous avez l'État qui est capable de défendre la souveraineté du pays. Vous avez l'État qui est capable de protéger les Haïtiens, Haïtiennes tout partout dans le pays. Ou te vle, un pays côté gen travail, un pays côté moun, vivre dans le monde, nous promettons que projet la pape tombe, même si vous assassinez le 17 octobre 1806, mais projet la toujours vivant, et nous même qui la, n'a porté projet la jusqu'à la victoire finale. Toujours dans le contact la presse qui était faite sous Champ de Masla, il y a un professeur Josué Mérilien, lui-même qui continue à réclamer justice pour défait bâtonnier l'ordre des avocats Port-au-Prince là. Mettre Montferrier Dorval avec étudiant Grégory Saint-Hilaire. On a là pour vol, là pour corruption, là pour crime BHTK ou en danger. Je vous dis, avec assassinat Maître Dorval, avec assassinat Grégory Saint-Hilaire, tout le monde qui était sceptique qui va de quoi, je vous comprendre que nous tous en danger. Gagner nécessité pour nous connaître les épaules, pour nous faire force nous. Pour nous débarrasser pays des régimes criminels de HTK qui est depuis Jovenel Moïse. Faut que nous marions Jovenel Moïse, marions Agénor, marions toute équipe volant de HTK, criminels de pour nous libérer, pour nous gros souffle. Je veux dire, pas de place pour silence, sous faire silence ou complice. Pas de place pour neutralité, sous net ou complice. Mais c'est ça, les troupes de général, que c'est Tibachon, que c'est ingénieur, agronome, mon secteur privé, c'est ce qu'on a dit hier, de vous parler de la boue corruption, la boue crime, et HTK, pour un danger, qui est nécessité pour nous tous, unis nous, pour nous faire face là, pour que rapidement nous libérer le pays, l'équipe ça. Pendant ce temps, président Jovenel Moïse, qui a fait une intervention sur les réseaux sociaux vendredi qui s'est passé là, et bien, il a demandé aux étudiants qui ont fait manifestation pour garder calme, pendant que l'a demandé la police et la justice pour faire lumière sur le mot étudiant Grégory Saint-Hilaire. Yon reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Depuis assassinat Grégory Saint-Hilaire, étudiant yon pas jambe bouquet prend la rue chaque jour pour yon continuer à exiger justice pour camarade yon qui était tombé dans une condition qui n'est pas fine trop claire. Je dis à nous dans l'arrière, son bataille n'a mené pour la vie respectée, son bataille contre impunité, son bataille contre injustice. Je dis à camarade nous Grégory Saint-Hilaire, les victimes, camarade Samuel Mika, victime de l'université, et puis nous avons un professeur, Maître Dorval, qui a assassiné lâchement. Donc, dans ce sens, nous prenons la rue pour nous capables de venger camarade nous, par le fait que l'État n'a pas entré dans la logique pour la justice. Nous-mêmes, nous prenons la rue pour nous venger. Dans une intervention vendredi sur les réseaux sociaux, le président de la République a demandé aux étudiants pour garder calme pendant l'exiger vérité sur l'assassinat de Grégory Saint-Hilaire. Faut tout acteur jouer le rôle. Ça le dit. La justice, en général, qui vient la police en dedans, DCPJ, tout le monde en général, faut la vérité blaye sous la mort étudiant. Grégory Saint-Hilaire a perdu la vie dans des circonstances qui pas trop claires. Moi-même, moi j'étais étudiant tout et demandé pour ces circonstances éclaircies. Nous avons cité parole président Jovenel Moïse. Pour moi, vos sympathies, ma famille,
les amis, les camarades, les étudiants, Saint-Hilaire qui, je dis, en fait 8 jours, depuis le perdu la ville dans des circonstances troubles, que nous avons demandé que ces circonstances soient élucidées pour tout le monde connaît comment M. Moore et pour tout le monde qui est coupable dans les actes assassinats étudiants, pour payer pour ça. Le président dit qu'il comprend et il tend des cris étudiants, il comprend la frustration. Le chef de l'État promet et il profite du moment pour demander aux étudiants de rester tête frette. Je connais la frustration en pile, mais ça m'a profité, m'a dit nous. On profite du moment ça pour nous avoir plus de sérénité. Parce que Fob dit nous que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Grégory Saint-Hilaire a perdu la vie 2 octobre qui s'est passé là, alors que un groupe étudiant dans l'école normale supérieure a organisé un mouvement de protestation pour réclamer l'application d'un protocole d'accord qui était signé avec le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle concernant stage et nomination dans l'établissement public. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Sous même dossier étudiant, M. Siméon Valet, qui est un responsable organisation Droit Moun, Alliance Chrétienne pour une Nouvelle Haïti, lui demande aux étudiants qui ont manifesté pour ne pas utiliser violence pour faire passer revendication. Revendication d'après lui qui est très juste, pendant que l'a demandé l'État pour faire justice par rapport à collègues étudiants qui c'est Grégory Saint-Hilaire. M. Siméon Valet. Je demande aux étudiants pour calmer. C'est le droit de revendiquer. Et alors c'est droit pour revendiquer sacré bien qui droit pour le travail, droit pour gagner et meilleur professeur, c'est droit qui gagne. C'est droit qui gagne pour dénoncer ça qui fait là côté que il a boulé bibliothèque et l'école normale là. C'est Hitler qui font bagarre comme ça, nous songe Hitler et boulé plus de 3000 ans d'histoire. Donc, nous avons constaté aujourd'hui une dégradation des valeurs morales dans le pays. Donc, c'est droit au gain pour manifester pacifiquement, mais craser briser. Donc, nous pas encourager pour craser briser, nous pas encourager pour craser machine, parce que machine qui craser, c'est machine même et haïtien qui est dans la même classe avec vous, c'est frère. Donc, pas la peine pour y'a craser briser. N'a pas demandé pour y'a capable de ressaisir. Y'a pas craser briser, mais y'a capable de continuer manifester pacifiquement pour y'a dénoncer ça qui fait au mal. Ou à suivre rendez-vous info. Hier 11 octobre, là, c'était journée internationale. Et jeunes timidamio, jeunes filles. Et par rapport à la discrimination qu'il y a subi, par rapport à violation de droit, parmi eux, violations sexuelles qu'on subit, c'est un problème au niveau planétaire. C'est le monde qui a fait face à cette situation. Et dans l'occasion, correspondant nous dans Port-au-Prince, Florence Lisney, lui-même était penché sur la situation dans le pays d'Haïti. Mais reportage. Il y a un gens qui ont 13 ans. Maman était quittée avec grand-mère, qui c'est maman papa. C'est fait ça par la suite, il est venu tomber enceinte pendant qu'il y avait grand-mère. C'est chaque jour dans la ville, Gabriel René a fait face à la discrimination qui a subi dans la société haïtienne. Si tout dans le cadre de travail à travers l'organisation pour promotion et encadrement adolescente Maman Haïti l'a dirigé. Et histoire demoiselle ça, c'est une parmi plusieurs autres qui marquent la ville. Il va à l'école encore. Ouais, il va à l'école encore. Il prend le rentre pour au Prince Avel. Il prend Timoun. Il y a d'autres Timoun qui sont occupés Timoun pour lui. Mais lui-même, il est dépourvu de tout ça que tu as dit pour le tâche en tant que monde pour ta refaire tel que pour ta refaire image. Dans une situation comme ça, Tifi aussi, il y a une pigre discrimination. Force de voir les parents, ça y a rejeter tout le monde ça, c'est qui ça. Et des fois, c'est ça qu'on retrouve pour contre lui, ou bien avec peut-être quelques amis qui sont capables de venir, qui sont capables d'aider lui en ce sens. Mais c'est qui ça, leur fait petit là, il n'est pas à l'école encore,
li gen problème, surtout nous connaissons pour pays nous a fait face à une série de problèmes socio-économiques difficiles, pas gen l'hôpital, pas gen une série de bagages, donc tout monde ça suffit ça qui vient faire petit là, li subit en pile, yo souffrit en pile de situation ça. D'ailleurs, yo dit depuis tout monde n'en fait petit, yo bal mauvais non, c'est comme si son monde société a même prendre li mettre sur côté, son monde qui pas existé encore. Yon avis Pascal Solage dans les guest marron partagé pendant l'aller plus loin pour montrer yon lot forme discrimination tifi yo ap sibi. Réponse que tifi ça ou que femme ça rejoint dans société en tout, c'est des formes de discrimination puisque leur victime forme de violence ça ou pour rejoindre accès à justice, pour rejoindre accès à soins, pour rejoindre accès à réparation, mais extrêmement difficile puisque la plupart du temps moun ki agresseur yo, moun ki bou yo même yo pas fait face à sanctions que vous supposé prendre par rapport à zak que au subi et que société en lui-même tout d'une certaine manière ni parfois doublement stigmatisé, doublement discriminé femme avec tifi ça. Yo société qui prend plaisir pour bay victime nan pote chay action boule là. Sinka kwè Pascal Solage. Ça nous transmet comme compréhension, comme éducation par rapport à question violence, fait que nous retirer responsabilité coupable yo pour nous mettre sous victime. La société a construit à éducation tifi ak ti garçon a recevoir innocent dans genre de comportement sa yo. Ça qui montre nécessité pour travail qui pour fait n'arriver à changement comportement doit commencer depuis dans kay lan. Parents yo gon responsabilité pour depuis que a levé tifi ak ti garçon on va tout lever des moun dans toute dimension monté avec toute capacité, toute compétence, tout droit, toute opportunité, toute chance. Ba yo tout ça que vous besoin comme bagage, bah tout ça que vous besoin comme outil pour être capable affronter société, pas parce que sont filles, pas parce que sont garçons, mais parce que sont moun avant tout. Discrimination toute qualité, c'est l'otifi autour. T'es un pile parent, jour journée jodi a préféré voir petit garçon à l'école. Et yo, dans moment sénat lui-même, il commencé débat pour ratification juge Amy Barrett dans cour suprême nan, yon nomination qui gagne pile en jeu la donne. Jean-Aubert Philippe, abdi-nous plus depuis Hyattsville, dans l'État américain. Électeur américain, qui a voté par anticipation, déjà battu un chiffre record comparé avec l'élection passée. Dans le même moment, candidat eux-mêmes a mené campagne, non seulement pour chauffer base, mais tout pour convaincre électeurs indécis pour voter en faveur. First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How's everyone feeling? Moi, je sens bien. Moi, pas qu'on est pour nous-mêmes. Comment nous sentons-nous? Et quoi? C'est comme ça que le président Donald Trump a parlé à supporter Lyon samedi passé, l'Elfeu connaît, il parlait pour le commencer campagne là, après le docteur Yodi, il parlait représenter un risque pour transmettre le risque COVID-19 là par l'autre monde. Quand il a parti démocrate, Joe Biden a visité l'État ou à une semaine ça pour montrer aux électeurs la raison de balayer un nouveau mandat, 4 ans, au lieu de président Donald Trump lui-même, qui a cherché un deuxième mandat. Il y a deux dossiers dans l'actualité pour semaine ça. Youn, c'est le deuxième débat entre président Donald Trump avec ancien vice-président Joe Biden qui fixé pour jeudi 15 octobre là et qui a dû faire à distance pour raison santé. Mais président Donald Trump a rejeté proposition commission présidentielle débat. Eric Trump, une petite président, défend position leader américain en prend pour ne pas participer dans le débat à distance avec un candidat parti démocrate là, Joe Biden. That's how debates have been handled in America for the last 200 years. You've stood there and you've debated somebody. And my father doesn't want to do it over a glorified conference call. He wants to stand on the stage, look somebody in the eyes. And Biden's not willing to do face à face. Papa me parle fait un débat à distance dans un système appel conférence que tout le monde a battu bravo pour lui. Il veut camper sous podium, non? Garder rival lié à Nanger, ancien vice-président Joe Biden, lui-même parle fait. Campagne ancien vice-président dit que le candidat parti démocrate là voulait faire débat avec le président Donald Trump le 22 octobre. À quel espoir le président Donald Trump pas capable de transmettre le virus à l'autre monde pendant qu'il a suivi le protocole sanitaire. Dernier sondage qui fait dans le niveau national montrait ancien vice-président Joe Biden a mené devant le président Donald Trump avec 12 points parmi les électeurs potentiels. Marge erreur c'est 4 points. Du candidat pour mener campagne dans soi-disant État qui est capable de faire une différence dans l'élection. Ça veut dire État qui est capable de basculer les résultats soit dans le camp démocratique ou bien dans le camp républicain. Semaine ça, le président Donald Trump pour aller en Floride, côté la participer à un rassemblement populaire avant de mettre tête pour Pennsylvanie avec Iowa. Quand il a parti démocrate là, lui-même, Joe Biden, pour aller dans l'État Ohio pour chercher voix électorale. Électeurs commencent à voter dans plusieurs États.
Par exemple, quand c'était monde qui déjà voté dans Wisconsin, semblait l'y élever. Dans le comté d'Anne, par exemple, il y a une base démocratique contrôlée. Quand c'est monde qui jetait bulletin anticipé dépassé 36%, comparé à quand c'est monde qui était participé dans l'élection présidentielle 2016 là, d'après le journal américain de New York Times. Campagne candidat parti démocrate là, mandé électeur dans plusieurs États à voter avant date élection dans l'État qui permet sa fête. Telling people to take advantage of early vote in person. And remember, look, I'm on the ballot. New Orleans and Louisiana started early voting yesterday, and I'm encouraging people to take advantage of the voting process. Cédric Richmond, un député d'État Louisiane et vice-président de campagne Joe Biden, qui a participé à l'émission sous chaîne télévision ABC This Week, parlait pour dire nous mandé électeur pour profiter vote anticipé. Regardez-moi même, moi c'est un candidat. New Orleans avec Louisiane déjà commencé vote anticipé depuis samedi. Moi encourager population pour profiter avantage pour